Welcome to the news of the week. J'ai choisi une formation dans le web parce que c'est la formation qui m'intéresse, le domaine dans lequel j'excelle le mieux et dans lequel je compte réussir plus tard. Pourquoi je suis là ce soir? Justement parce que Syntex est censé représenter tous les métiers abordés par l'informatique et je suis curieux de voir justement les côtés que je ne connais pas encore. Ça vaut pas le coup d'attendre, il faut y aller tout de suite parce que déjà c'est vraiment des métiers d'avenir. Il y a énormément de travail derrière, il y a des bons salaires à se faire également. Et c'est génial, c'est vraiment un univers qui est vraiment à part avec une mentalité qui est particulière mais on adhère vraiment. Après je suis venu ce soir surtout pour essayer de rencontrer des professionnels. Notre deuxième année se faisait en alternance, il faut commencer à chercher maintenant et essayer de trouver des entreprises qui veulent bien d'un côté payer notre formation, notre deuxième année, et d'un autre côté nous former pour miser sur nous, sur l'avenir tout simplement. Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis fondateur d'Invectory. Donc Invectory, c'est le premier concepteur de services de conservation et partage d'œuvres d'art par numérisation en trois dimensions. Et j'ai fondé ça avec deux de mes camarades ingénieurs en sortant d'école. Indépendamment du fait qu'on aime l'histoire de l'art ou qu'on aime le tourisme ou autre chose, on peut se trouver une nouvelle voie dans le web. C'est un secteur qui recrute vraiment, donc de tous les côtés, c'est un bon choix. Donc je suis venue pour rencontrer les entreprises, mais aussi pour échanger avec les autres gens comme moi qui sont en formation, trouver peut-être éventuellement un emploi, mais j'ai déjà quelques propositions, mais n'empêche que ça me plaît ici ce soir. Alors je ne connaissais pas les métiers du numérique, hein. Je me suis fait un point, je me suis dit voilà, David, quel travail veux-tu faire, hein? Donc j'ai fait une recherche de tout ce que j'aimais, c'était l'informatique. Une fois que j'ai décidé que c'était l'informatique, j'ai regardé tous les métiers disponibles. Et là en effet j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses, hein. J'ai vu qu'il y avait du développement, de la maintenance, enfin l'informatique c'est très large, hein, tout simplement. Et donc en listant les métiers par rapport à ce que moi j'aimais faire, par rapport à ce que j'ai déjà fait chez moi, c'était du coup la maintenance informatique, les systèmes, les réseaux, tout ça que j'aimais bien. Dès que j'ai vu le talent du numérique, ça m'a intéressé, j'ai fait bon, faut que j'y aille, je veux voir qu'est-ce qui va se dire, rencontrer des entreprises, c'est intéressant, voir les nouveautés, les choses que j'ai pas forcément suivies, enfin bon, c'est vraiment pour rencontrer des personnes du métier. Hein. T'as commencé à t'intéresser au monde du web vers quel âge? Vers 12 ans, je pense, quelque chose comme ça. Quand j'ai eu l'ordinateur, en fait. Voilà, j'ai commencé à traîner direct. Il faut oublier les clichés que ce sont que les mecs, que les garçons qui réussissent dans ce domaine. Parce que, par exemple, dans beaucoup d'écoles, on va voir, mais quasiment pas du tout de filles. Alors que nous, les filles, on est aussi intelligentes que les garçons et... on sait très bien réussir dans ce domaine, on est logique comme eux. Pendant mon BEP, j'ai eu la possibilité d'utiliser plusieurs logiciels et c'est seulement ces cours-là qui m'intéressaient. C'est les cours en informatique où je me sentais le mieux, où j'étais vraiment à l'aise, où j'avais des bonnes notes. Donc quand j'ai décidé de reprendre mes études, je me suis dit pourquoi ne pas faire quelque chose que j'aime vraiment. Donc je me suis dirigé vers l'informatique. Je vais poursuivre mes études à l'ETNA, qui est une école en alternance sur 3 ans. Et après, ensuite, peut-être partir à l'étranger pour justement profiter du fait que les compétences que j'acquiers ici, je peux les employer partout dans le monde, dans des entreprises qui sont françaises ou autres.
Bonjour, donc moi je m'appelle Léa Chaput, je suis chargée du recrutement chez Linagora. Ce qu'on va rechercher aujourd'hui auprès des jeunes, ça va être le dynamisme, être dans l'innovation, dans la force de proposition. Voilà, donc nous on est vraiment en attente et dans la recherche de candidats. On attend vraiment l'originalité et que les candidats soient capables de se démarquer des autres, naturellement. Voilà. Il faut être curieux, très curieux. N'hésitez pas à poser des questions, des bonnes questions. Et n'hésitez pas à regarder ce qui se fait ailleurs, faire la veille, voilà, et s'intéresser aux plein de choses.